back to Panther Eye News. My name is Landon, and I'm here with Sydney. And we have a special guest, Mrs. Lechner! We have some questions for you. Could you explain to us what MacGyverness means to you? MacGyverness means that you're using ordinary things, like things here in the display case, like spaghetti and tape and paper and paper clips, things like that, to do something extraordinary. And it's putting all those things together to make something that works. Interesting. Okay. I hear kids aren't finishing the books they need to participate. You know, we have some kids that aren't going to get to participate, and that's really too bad because MacGyver Day is going to be a really fun day, and I hate for anybody to have to miss out. To be able to be part of MacGyver Day, you have to read at least two books and then fill out your reading response forms for those two books. And so that has to happen by the 13th is the last day to read, and the 14th of December is the last day to be able to fill out your reading response. So those kids who don't get in, that's too bad because they're not going to get to participate in the fun. Oh no! That wouldn't be too fun. It wouldn't. How is learning to do things the MacGyver way more interesting than your average school day? Oh gosh, MacGyver Day is going to be a lot of fun. I just can't even tell you how much fun you're going to have because you get to participate in groups and you get to work as a team to create something. I was going to say there are going to be treats. It's going to be a great time. Sounds like a lot of fun. Yeah. So now that we know how mind-blowing MacGyver Day is, what do you think kids need to do before it is too late? Well, they need to read at least two books and fill out their reading response form for their English teacher for those two books. And get that handed in so that they can be a part. And like I said, they have to read at least two to be a part. And then we also have kids that can be a Voyager if they read at least six and fill out the reading response forms. And if they read 12 books and earn adventurer status, then they get to actually help with MacGyver Day. That would be really cool. I was going to say, that would be a lot of fun. All right, and that concludes our interview with Mrs. Lechner. Maybe we'll see you around on Panther Eye News. Mrs. Lechner. Maybe we'll see you around on Panther Eye News. J'ai une question. Oui, bonjour. Bonjour. Vas-y, présente-toi. Moi, je suis Asmoth. Je crée des choses en audio, ce qu'on appelle des sagas MP3, des séries audio, des fictions audio. L'appeler un peu comme vous voulez, quoi, mais finalement, on parle et on joue. Je, avec mon acolyte Blast, bricole des choses de temps en temps sur des salons. Sur le stand MacGyver. Ouais, c'est bon. Donc, Blast. Alors, je suis Blast, créateur de saga MP3, je fais des tas de trucs et j'ai, par pur loisir, c'est pas du tout mon métier, mais par pur loisir, je me suis intéressé au son depuis très longtemps. Et du coup, j'ai eu l'occasion de bidouiller pas mal de choses avec des moyens du bord. J'aime bien l'approche qui amène à faire des choses via le bricolage ou via l'astuce. Je pense que l'astuce permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et donc le jour où on a l'occasion de travailler avec l'équipement beaucoup plus élaboré, de l'utiliser au mieux, de vraiment utiliser les capacités d'un super micro comme ça ou des choses très intéressantes plutôt que de les utiliser de manière basique parce qu'on ne sait pas s'en servir parce qu'on n'a pas fait la démarche précédente.
Alors, dans le cadre de la saga MP3, ça va m'amener à une question. Dans le cadre de la saga MP3, on constate qu'il y a toute une série de créateurs qui sont adolescents, jeunes adultes, étudiants, etc. Donc, pas forcément argentés. Et donc, ça colle parfaitement avec le cadre. L'autre élément qui est important, c'est que la qualité du son, elle a son importance, mais ce n'est pas la partie la plus importante dans la création d'une saga MP3. Ça paraît tout à fait paradoxal, mais avoir une bonne histoire, avoir un bon jeu d'acteur, c'est 80% du boulot. Évidemment, si le son est complètement crapoteux, ça ne va pas le faire. Si on n'entend pas, ça ne va pas le faire. Mais ce n'est pas le plus important. Surtout que, et c'est ce qu'on va essayer de montrer, avec du matériel de base, on peut partir vraiment à l'arrache et obtenir quelque chose d'assez mauvais. Et avec des petites astuces, des petites choses finalement relativement simples, on peut améliorer grandement le résultat malgré l'usage d'équipements de base. Donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire. Exactement. Alors on a trois grandes catégories. C'est ça. Tu veux élaborer ? On a trois grandes catégories. On a les équipements. On a les équipements. Non, ça va aller, je pense. Que je peux. Bon, d'accord, très bien. On a tout ce qui est équipement plutôt, on va dire, informatique, c'est-à-dire des micros qu'on peut trouver dans le commerce pour vraiment pas cher, du type de ce type-là, par exemple. Hein. Ça, c'est quoi ? C'est 5 euros chez Carrefour ? C'est quelque chose comme ça ? C'est quelque chose que j'ai acheté pour le salon, justement. Donc, ce type de microphone à électret qui est assez basique et que tout le monde peut se procurer, peut-être que vous en avez un chez vous pour faire du Skype ou quelque chose comme ça. Il y a également le micro-casque, c'est pareil, alors il y a peut-être des gamers parmi vous qui aiment jouer, qui ont déjà un micro-casque, même encore une fois pour faire du Skype. Voilà, un micro, ça peut servir à enregistrer du son, tout simplement, on ne va pas aller chercher plus loin. Après, il y a également tout ce qui est webcam, caméra USB, donc là on en a mis une sur le PC. Comme vous êtes mis loin, vous ne voyez pas très bien. Mais mon assistant le montre avec brio. Voilà, dans les webcams, il y a aussi un micro intégré et ça permet d'enregistrer des choses. Et une lumière. Voilà, moi perso, j'ai la lumière ne sert à rien. Enfin, pour enregistrer le son. Non, la lumière ne sert à rien, c'est juste un gadget. Voilà, donc basiquement, déjà, rien que ces trois équipements-là, je pense qu'on peut le retrouver dans beaucoup de foyers qui sont équipés d'un ordinateur, peut-être depuis plusieurs années. Voilà. Alors après, on a une autre catégorie d'équipement, moi tu veux y en parler. Oui, il y a ce qui va concerner le reste du monde qui prend du son. Les DJ prennent du son, les reporters radio prennent du son, les caméras vidéo prennent du son. Donc ce n'est pas directement l'équipement qu'on va trouver de manière standard sur un ordinateur. Mais c'est des choses qu'on va trouver très facilement dans son grenier, chez ses parents. Il y aura des contraintes, il va falloir aussi en tenir compte, mais il y a des éléments qui permettent de prendre du son auquel on ne pense pas forcément immédiatement. Et l'adaptation va être importante pour qu'on puisse prendre du son et l'enregistrer. Évidemment, ce n'est pas du tout uniquement de prendre du son, mais c'est de l'enregistrer dans les meilleures conditions. Et il reste une troisième grande catégorie. L'équipement nomade. C'est assez simple, ça, finalement, l'équipement nomade. Parce que, qu'est-ce que c'est un équipement nomade ? C'est pas quelque chose auquel on va penser tout de suite pour enregistrer une saga MP3. Par exemple, un lecteur MP3. Il y a des lecteurs MP3 qui font dictaphone. Oui, oui, messieurs, dames, on peut enregistrer une saga MP3 avec ça. Alors, là, ce petit point noir que vous voyez, c'est un microphone. Faut le savoir. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Alors évidemment, ça enregistre en interne, donc après il y a tout un processus de transférer vers le PC, convertir, machin. Mais bon, ça se fait. Ça se fait tout à fait. Et en utilisant 2-3 techniques pas bien compliquées, il y a moyen de s'en sortir sans que ce soit crade. Voilà. Alors après, il y a tout ce qui est dictaphone, là en l'occurrence un dictaphone numérique. Ça aussi, ça fonctionne. Hein. De toute façon, c'est le but, c'est d'enregistrer. Donc voilà. Dictaphone, avec aussi le souci, c'est que ben là, dans cet exemple, c'est un format propriétaire, donc c'est pas le format qu'on va retrouver et lire facilement sur l'ordinateur, donc il va falloir le convertir, faire un certain nombre de choses. Ça a aussi des contraintes parce que c'est pas fait pour enregistrer une voix
qui joue, mais uniquement quelqu'un qui dicte un courrier. Mais de nouveau, dans la limite et en connaissant les contraintes et les limites, on va pouvoir l'utiliser. L'autre exemple que tout le monde possède, c'est le téléphone. Il y a un micro, si vous n'en êtes pas rendu compte. Les smartphones ont en général même une fonction d'enregistrement, donc on peut les utiliser de manière autonome. Et de nouveau, via un transfert par câble USB, récupérer le son qui a été enregistré, ou utiliser la sortie casque et la réinjecter dans l'ordinateur. Il y aura de nouveau 50 possibilités pour pouvoir le faire. On peut prendre quelques exemples. On va commencer dans l'ordre, l'équipement informatique, donc ce que a priori vous avez tous. On va faire une prise de son. On est dans les conditions les plus épouvantables, donc on va aussi les aborder. Oui, excusez-moi, j'avais cette question à faire. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont plus intéressés par la prise de son, mais pour le cinéma, pour les web-séries, etc. Alors, il y a des spécificités pour le cinéma. C'est que pour la saga MP3, c'est pareil, il n'y a pas l'image. Ça paraît une palissade, mais si j'enregistre dans un micro ici, je m'en fous d'où qu'on voit le micro. Au cinéma, c'est gênant. Donc, les contraintes que l'on a en cinéma, c'est qu'en général, le micro, il est soit caché, soit il est perché. Du coup, comme il est perché, il est généralement plus loin. On n'a pas forcément la possibilité de se rapprocher comme on le veut. Donc, ce sont des contraintes qui vont s'ajouter et auxquelles il va falloir penser, y compris donc dans l'esprit MacGyver bricolage, se fabriquer une perche, se fabriquer quelque chose pour suspendre le micro de manière à ce qu'il ne prenne pas les vibrations de la manipulation de la perche, cacher les micros dans le décor, mais qu'ils soient suffisamment proches de la bouche, mais cachés par rapport à la caméra. Tout ça sont des choses qu'on ne va pas directement aborder ici, parce que moi, c'est plutôt l'environnement Saga MP3. Oui. Mais ça découle directement parce que autre chose directement liée à la prise de vidéo, c'est que si on le prend à l'extérieur, par exemple, et du vent, le vent, ça fait un bruit épouvantable dans les micros. Je vois ici une dead cat qui appelle aussi une ricotte, qui permet d'étouffer ce vent. Tous ces éléments donc se rajoutent aux contraintes de la prise de son en amateur avec les moyens du bord. Si vous avez des questions, on peut les aborder. C'est des choses aussi auxquelles aussi on a aussi réfléchi. Donc on pourra vous avez montré pas mal d'outils de base comme l'iPhone, le micro et tout ça, mais forcément je me pose la question, est-ce qu'on a quand même un son de bonne qualité pour faire un projet de Saga MP3? C'est ce qu'on va essayer. D'accord. Si une question interne, est-ce que ce que vous dites là sera rediffusé ou diffusé tout le monde, histoire que nous puissions revoir cela, pas prendre une note là. Si les caméras fonctionnent, c'est surtout le son qui est important. Et si le son fonctionne, oui. D'accord, si. Donc c'est sans garantie, mais a priori ça devrait faire. Et ce sera sur. Sur YouTube probablement. Et quel mot-clé ? Pardon ? Quel mot-clé pour la recherche ? Je ne sais pas encore, mais ce sera diffusé. À mon avis, tu pourras passer sur Netophonix. Si tu vas sur le site de Netophonix, on relayera l'information. Merci. Okay. Évidemment, il s'est coupé, c'est Louis. Et moi, je vais connaître. Alors, personnellement, je n'utilise pas Audacity. J'ai d'autres logiciels qui sont plus élaborés parce que je fais du son depuis longtemps et que j'ai eu l'occasion d'accéder à des logiciels plus élaborés. Mais Audacity a l'avantage d'être complètement gratuit, d'être connu par beaucoup de créateurs de saga MP3. Donc il y a toute une communauté qui connaît très très bien Audacity. Et donc toutes les questions qu'on se pose peuvent être répondues. Donc je vais vous faire la démonstration sur Audacity, que je maîtrise mal, mais que je vais maîtriser suffisamment, en tout cas au moins aussi bien qu'un débutant qui découvrirait le produit. Et c'est ce qu'on va essayer de nouveau de faire. Alors, je te propose d'enregistrer un petit bout avec un premier exemple, c'est le micro.
micro tout simple, hein, micro Carrefour, appelons-le micro Carrefour. Voilà. Et tu Alors, on le fait en brut, hein, et après on traite les problèmes. Sans effets spéciaux, aucun. C'est bon ? C'est parti. Alors, test 1-2, salut. Alors, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qui se passe à l'écran, là. C'est un peu rouge. Voilà, je pense que c'est suffisant. Alors, ça, c'est de la saturation. Quand il y a ça, c'est mort. On efface, on recommence. Ok, déjà de base. C'est important. Parce que il y a des gens qui s'en rendent pas compte, et puis ils vont mixer avec ça, et puis on va leur dire ça sature. Vous voulez écouter ? Oui, parfait. Alors, test 1-2, salut. Alors, test. Je vais baisser le son chez moi. Alors, test 1-2, salut. Mais le 1-2, ça se met à grésiller de partout, ça c'est de la saturation. Alors, ceux qui ont l'habitude d'écouter la musique sur leur iPhone ne s'en rendent pas compte. Mais à un moment donné, on a les oreilles qui se nettoient et on se rend compte qu'il y a de la saturation et puis on y fait gaffe et c'est vachement plus confortable. Donc faites gaffe à ça. C'est une des fonctions qu'il y a à l'intérieur de Audacity qui permet directement de l'afficher. Et donc, voilà, au moins on sait qu'on a un problème. Alors ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va baisser le niveau d'entrée. Mais on va baisser ici. On va baisser le niveau d'entrée. Et on va faire un test. On a dit, on efface, hein, ça c'est mort. Voilà. Poubelle. Sur Play, ça n'enregistre pas. Vas-y. Salut, test 1-2. Alors, si je fais des P et des T et des C comme ça, est-ce que ça marche ? Alors, on constate qu'il y a beaucoup moins de saturation. C'est vachement mieux. Vous voyez, là, il guide l'oreille. Hein. J'ai pas besoin de. On va pas passer 2 heures à. Bon, on n'a pas 2 heures, on a 50 minutes. Voilà. Mais on voit déjà qu'il y a moins de saturation. Mais avec l'habitude, on va se rendre compte que ces saturations apparaissent sur certaines consoles particulières, les P, les B. Ils sont des consonnes qui sont qu'on appelle les plosives, qui provoquent énormément d'air en plus du son que l'on produit. C'est un souci qu'on rencontre régulièrement et qu'on rencontre régulièrement sur la plupart des micros qui sont très sensibles. C'est normal, c'est une capsule, elle est faite pour vibrer sur les ondes sonores que l'on produit. Donc, forcément, si on rajoute du vent, ça va pousser sur la capsule et donc ça provoque ces saturations-là. Et pour ce faire, on va utiliser un anti-pop. Un anti-pop. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des clips ou des trucs comme ça. Vous savez, c'est cette espèce de truc rond qu'on ajoute plus fort devant le micro. Parle. Alors, ça ressemble à ça en vrai. Hein, donc ça c'est fait maison. Hein. C'est fait avec. Vous avez tous déjà vu une chaîne IFI. Vous savez la petite antenne carrée là. On s'en sert jamais en fin de compte. Ben, voilà comment on peut l'utiliser avec un bout de collant de. La maman ou la grand-mère l'avait au préalable, et un petit bout de fil électrique, ça fait quelque chose de vraiment pas dégueu et qui fonctionne très bien. Alors, ça c'est le sien. Bon, alors moi, vu que je suis un peu moins doué, c'est un peu plus moche, quoi. Mais ça marche tout aussi bien. Et ça, c'est une bonne idée aussi. Ça se fait en général à partir d'un cintre. On va former un cercle, et après, on va mettre dessus un collant. Alors là, ceux-là sont faits à partir d'une antenne FM, mais à partir d'un sac, ça fonctionne aussi très très bien. C'est moche, mais ça marche. Et on va le montrer. C'est bon ? Allez. C'est rouge, hein ? Alors, salut, test 1-2. Alors là, tu vois, si je fais des P et des T, normalement, ça marche vachement mieux. Et l'avantage, c'est que je peux rester, du coup, devant, quoi. Voilà. Ouais, mais bon... Alors, on a une pointe de saturation, un autre élément, mais on en a une sur l'ensemble de l'enregistrement, un autre élément dont il faut tenir compte, c'est qu'il va falloir aussi établir le niveau sonore. Donc là, on l'a réglé complètement à l'arrache, j'ai juste baissé un petit peu le curseur. La distance bouche-micro va être importante, évidemment, là ici j'ai un micro, je suis loin du micro, et je suis près du micro, ça fait une différence. Démonstration, hein, on a dit, c'était atelier. Hein. Donc... Là aussi, il va falloir passer un certain temps pour trouver la distance idéale. Asmot parle pas très fort. Bon, je parle pas très fort de base. Si on est en train de faire la saga MP3 et que d'un seul coup, il y a un général qui se met en colère, ça va parler beaucoup plus fort. Il va falloir aussi en tenir compte et baisser le niveau d'entrée en conséquence.
On a deux options, baisser le niveau d'entrée ou éloigner sa bouche du micro. Mais ça a une contrainte, c'est que là vous entendez cette pièce avec une réverb magnifique. Dans votre chambre, c'est pareil, pas aussi fort, mais il y a aussi de la réverb. Plus vous allez être près de votre micro, plus le micro va surtout capter votre voix et, pas et moins les sons alentour, plus vous allez vous éloigner, plus à niveau égal, vous allez aussi récupérer ce bruit de la pièce qui va s'ajouter à votre enregistrement. Donc vous aurez beaucoup de mal à faire croire, si on enregistre ici, qu'on est dans une petite pièce ou qu'on est à l'extérieur. Personne qui va croire ça. Avec une réverb pareille, c'est impossible. Donc on va être obligé de se rapprocher du micro et donc d'en tenir compte au niveau du réglage de son niveau si on a besoin de crier. Et alors, on entend parfois, et ça se fait aussi dans les films, où justement quelqu'un qui se met à crier d'un seul coup, on entend un écho derrière. C'est plus un effet amusant qu'autre chose. On peut en jouer aussi. On peut très bien jouer sur les clichés du cinéma et se dire, au moment où j'ai besoin de crier, je m'éloigne, il y aura de la réverb, mais c'est sur un cri, peut-être sec ou quelque chose comme ça. Et ça peut tout à fait s'intégrer dans l'histoire. Les contraintes techniques peuvent être utilisées aussi dans la mise en scène, au même titre qu'au cinéma. Alors, si on n'a pas la possibilité de faire des effets spéciaux, on va peut-être suggérer l'histoire plutôt que d'aller intégrer un dragon quand on n'en a pas. Ok ? Donc, plusieurs éléments à ce qu'on vient de faire. Vous constatez ici que c'est un micro qui est monophonique, et que j'ai enregistré en stéréo. Donc j'ai toute ma piste gauche qui contient du son et toute ma piste droite qui ne contient rien. C'est pas un problème en soi, puisque je vais pouvoir simplement lui demander de ne pas s'occuper de la piste droite et de remettre ma piste. Séparer les deux pistes. De la séparer. Donc je vais pouvoir utiliser une fonction qui va permettre de séparer ma piste stéréo. Et puis je supprime celle-là, et voilà. Puis celle-là devient mono, et voilà, j'ai une piste mono. C'est des petites manipulations, de nouveau, quand on a des logiciels beaucoup plus élaborés, des tables de mixage ou des choses comme ça, on va pouvoir le faire en amont, mais ce n'est pas important. Là, on est directement dans le cadre d'un enregistrement qui a été fait. Voilà, ça, c'est fait. Ce qu'on va constater aussi, c'est qu'on a un certain bruit de fond que là, on n'entend pas. C'est plutôt pas mal. Mais quand on regarde, et là, de nouveau, les yeux guident les oreilles, on a un bruit de fond qui tourne à difficile à juger, entre moins 24 et moins 48, en tout cas. Ce bruit de fond, il est constant, et il est créé par toute la chaîne du son. Le micro en produit une partie, le câble en produit une partie, la carte son en produit une partie, l'environnement produit une partie. Si on enregistre et qu'il y a une sirène qui passe, une voiture de pompier qui passe dans la rue, on va l'enregistrer aussi. S'il y a de la climatisation, on va l'enregistrer aussi. Tous ces éléments-là font aussi qu'on va devoir réfléchir en amont à où est-ce qu'on va enregistrer. Je vais vous parler de la chambre. À un moment donné, il va falloir choisir un endroit. En claquant des mains, on va essayer d'écouter. S'il n'y a pas trop de réverb, on va essayer de trouver l'endroit. De nouveau, comme on n'est pas au cinéma, on peut enregistrer partout où on veut, ce n'est pas un problème. Le bruit de fond, il est aussi lié au fait que mon ordinateur est branché. Bon, c'est un ordinateur portable, l'avantage c'est qu'il a une batterie. Par contre, ces alimentations-là à découpage sont des grosses cochonneries, ils amènent des parasites énormes. Donc il est conseillé, si votre ordinateur n'a pas de bruit de fond ou s'il n'y a pas de parasites, c'est parfait. Sinon, au moment où vous faites l'enregistrement, vous débranchez et vous allez y gagner en partie aussi au niveau de votre bruit de fond. Si vous avez un ventilateur qui tourne, vous avez tout intérêt à vous éloigner de votre ordinateur le plus possible, parce que ça aussi, ça fait du bruit. C'est des choses dont on n'est pas forcément conscient et qui vont rajouter. Donc toutes ces petites choses vont faire gagner des petits décibels progressivement et obtenir un son qui sera meilleur, malgré le fait qu'on a utilisé un truc acheté dans un supermarché pour pas cher. J'ai une question peut-être bête. Est-ce qu'il y a moyen de voir la quantité de bruit de fond qu'il entend, disons la quantité de bruit, comme ça permet de tester et de voir parce qu'on ne l'entend pas forcément à l'oreille? Alors, on va l'entendre directement. Il va falloir que je l'augmente, ou si j'augmente le son, c'est là que j'avais monté. Non, mais je vais juste prendre ça. Oui.
C'est ça le bruit de fond. C'est une espèce de qui va se mettre dessus et qui, évidemment, là on l'entend, mais sur la voix il est aussi. Et c'est des contraintes qu'on va rencontrer par la suite. Au moment où on va retranscrire en MP3, le MP3 est une compression destructive. Ça va aussi aller bidouiller là-dedans et le son progressivement va se détériorer. Et de nouveau, là on a un bruit de fond qui est relativement honnête, on n'a pas trop à se plaindre par rapport à la voix. Ce qui est important à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le rapport signal-bruit. Le signal, c'est ça. Le bruit, c'est ça. Si on a une grande différence, aucun problème. Si on fait un enregistrement, tu peux peut-être en faire un en t'éloignant du micro, et donc du coup on va avoir un niveau de ton latent. Éloigne-toi bien. Ouais, genre là. Ouais, vas-y, l'envoie. Alors là, je suis vachement plus loin. Je parle fort quand même, mais je suis loin. Voilà. Voilà. Donc, notre niveau utile, c'est ça. Notre niveau de bruit, c'est ça. Là, on va l'entendre. Parce qu'à un moment donné, on a la possibilité, au moment où on va faire le mixage, on va augmenter notre niveau pour qu'on puisse l'entendre. Et en augmentant notre niveau général, on va aussi augmenter le bruit de fond. Et donc, ce bruit de fond, on va l'entendre. Qu'il soit faible ou qu'il soit fort, il est là. Et c'est le rapport entre le signal utile et le bruit qui est important. Donc, dans le premier cas, on avait un rapport signal-bruit qui n'est pas extraordinaire, mais qui était pas mal. Là, on a un truc qui est absolument inutilisable. Sur le forum des Netophonics, on propose à ceux qui veulent s'essayer à la prise de son d'envoyer un bout d'enregistrement brusque, une phrase ou deux, un petit morceau, avec un petit peu de silence, justement. Et bah, nous, on va l'écouter, peut-être avec des casques de meilleure qualité ou avec des outils d'analyse que l'on possède et qu'on maîtrise. Puis on va dire, bah, là, tu as de la réverb, là, ton bruit de fond, il est trop élevé. Est-ce qu'on te conseille de te rapprocher du micro ou est-ce qu'on te conseille d'augmenter telle ou telle chose ou d'insérer tel ou tel équipement dans ta chaîne du son ou de dire, non, le macramé, c'est bien aussi. Non, on essaiera quand même de trouver des solutions. Voilà, donc ça c'est des exemples. On va pas passer par tous ces appareils. Par contre, il y a une chose qui est importante aussi qu'on va rencontrer sur un micro-casque, c'est que le micro-casque, pour y mettre un anti-pop, c'est pas facile. Parce qu'il est là. Alors, celui-ci a l'avantage d'avoir une petite bonnette qui protège un peu du souffle, mais c'est très très léger. Donc on va avoir aussi pas mal de souffle. Alors, il va falloir tenir compte de ça, soit de l'ouvrir pour qu'il ne soit pas dans l'axe de la bouche, soit de le monter un petit peu au-dessus de sa bouche ou de le descendre un petit peu en dessous. Il va avoir une incidence sur le son et en fonction de son propre timbre, il faudra essayer. Au-dessus, on va avoir un son qui va être plus de tête, plus nasillard, puisqu'on va aussi choper ce qui sort du nez quand on parle. Et en étant en dessous, on va avoir un son qui sera plus de poitrine, qui va aussi choper la vibration de la poitrine et de la gorge. Donc, il va falloir, en fonction de sa propre tessiture, décider si c'est mieux au-dessus ou en dessous. Mais là aussi, il faudra faire des essais. Et il ne faut pas négliger ce temps passé à faire des essais. Ça ne mange pas de pain. Une fois qu'on a trouvé ces réglages, moi, chez moi, j'ai passé le cap de ces équipements-là, mais tous les équipements ont besoin d'un réglage. J'ai passé du temps à trouver le meilleur angle, la meilleure distance entre ma bouche et le micro, les réglages, et ils sont même marqués, ce qui fait que quand j'ai besoin d'enregistrer quelque chose, je vais juste vérifier mon micro, je regarde mes réglages s'ils sont bien face à la marque, je fais un petit test, je vérifie que mes niveaux sont bons, et je peux partir à l'enregistrement. Je sais que ça fonctionne, je sais que je serai dans le cadre. Si je dois crier, je sais quel réglage je dois donner pour pouvoir crier. Si je dois chuchoter, je sais quel réglage je vais donner. Et j'enregistre très facilement. Je peux à ce moment-là me concentrer sur le jeu d'acteur, puisqu'on a bien dit que c'était le plus important d'avoir quelque chose qui soit convaincant. Parce que si c'est convaincant et qu'il y a un peu de bruit de fond, c'est moins grave que si on a un son super propre, mais qui est plat, s'il n'y a pas de jeu. Tout à fait. Je pense que ce qu'il faut retenir de base, c'est que malgré tout, ce qu'on va pouvoir faire avec un logiciel ou des techniques de post-prod, je pense que les trois quarts du boulot, si on veut pas foirer le truc, il faut y penser avant de parler dans le micro, en fait. Vraiment faire des tests, dire, bah voilà, si j'enregistre tout d'un bloc sans vérifier au moins comment ça sonne, je suis grillé, quoi. J'ai peut-être enregistré 30 minutes de réplique et j'ai plus rien. Donc c'est vrai que faire des tests avant, et c'est plus facile de minimiser le bruit de fond peut-être avant prise de son ou la réverb qu'après.
Donc ça, c'est un truc auquel il faut un petit peu faire attention. Oui, c'est important d'ailleurs, parce que il existe dans les effets de d'Audacity quelque chose qui s'appelle réduction du bruit, qui permet de prendre le profil brut. Donc en fait, on va aller prendre un extrait qui ne contient que du bruit, on va dire ça c'est du bruit, et puis on va aller l'appliquer sur l'ensemble en disant bah, tout ça tu me le retires. Alors ça fonctionne que dans certains cas. Si c'est un bruit de fond c'est un bruit blanc. Un bruit blanc c'est un bruit qui s'applique sur l'ensemble des fréquences. Si on dit bah, tu me baisses le son sur l'ensemble des fréquences, bah, autant baisser le volume. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Le problème, c'est que surtout en faisant ça, bah, il va prendre un profil d'un son, ça ne va pas être rigoureusement l'ensemble des fréquences, peut-être qu'à une certaine fréquence, on sera un petit peu plus haut. On va avoir une espèce de dancy qu'on va aller appliquer sur l'ensemble du bruit qui lui-même n'a pas forcément exactement le même profil. Donc on va aller créer un espèce de grésillement, ce qu'on appelle un effet, nous on appelle ça un effet aqua, un effet métallique qui donne un espèce, oui, un son comme si on parlait à travers une boîte de conserve qui se mettait à résonner. Dans la cuvette des toilettes. Ou de la cuvette des toilettes, c'est pas mal aussi. Donc c'est l'effet à quoi ? L'effet à quoi ? Voilà. Donc ça fonctionne. L'élimination de bruit fonctionne si on a une fréquence particulière qui transparaît dans l'enregistrement et qu'on veut aller la filtrer. Là, on va pouvoir prendre le profil de bruit et puis la supprimer. Ça peut arriver si justement l'alimentation peut provoquer certaines harmoniques. L'électricité tourne à 50 Hz. 50 Hz, c'est audible. Puisque le seuil bas de l'audition c'est 20 Hz à peu près, donc 50 Hz c'est audible, et toutes les harmoniques, vous m'arrêtez si on devient trop technique, mais toutes les harmoniques, donc toutes les fréquences qui sont les multiples de ces 50 Hz, donc 100 Hz, 200 Hz, etc., vont être aussi multipliées et audibles. Là on va pouvoir dire, ça, si j'ai un enregistrement avec du bruit de fond lié à l'électricité, donc qui tourne à 50 Hz, je vais pouvoir dire, ça tu me prends ce profil, et tu me l'élimines. Et on va pouvoir corriger en partie, sans pas 100%, mais on va pouvoir corriger en partie un enregistrement qui aura été un petit peu pourri par une fréquence. Mais si c'est du bruit de fond, blanc, faut pas rêver, l'éliminateur de bruit ne fera pas le travail, il va pourrir l'enregistrement et c'est tout. Donc faut pas croire que c'est magique. C'est magique, exactement. Donc, remonter à l'amont. Quelles sont les raisons ? Est-ce que c'est mon réglage de mon niveau ? Est-ce que c'est parce que j'étais trop loin de mon micro ? Est-ce que c'est ma carte son qui n'est pas suffisamment puissante pour amplifier mon micro ? Et c'est un des éléments qu'on va aborder maintenant. C'est que ces équipements-là sont faits en général pour les ordinateurs. Normalement, la carte son, elle est capable d'entendre ce que le micro dit. Quand on va utiliser certains autres équipements, la carte son n'est pas forcément adaptée pour ça, surtout la carte son intégrée dans l'ordinateur. Et donc, le son sera peut-être trop faible, le signal que l'on va envoyer sera peut-être plus propre, mais trop faible. Et la carte son, pour arriver à remonter ce niveau, va devoir faire des opérations, qu'elles soient analogiques ou mathématiques, mais qui finalement vont nous donner un son qui sera fort, mais qui sera de mauvaise qualité. Là, ce qu'on va utiliser, c'est on va essayer de préamplifier notre signal et on va le voir quand on sera dans la deuxième partie. Juste avant qu'on passe ça, je vais juste aller sur une des choses. Oui, excuse-moi, je réfléchis au fur et à mesure qu'on le fait. C'est bien. Non, analyse, voilà. Analyse, ouais, tracer le spectre. Voilà la courbe que nous avons enregistrée sur l'ensemble de l'enregistrement. On a les fréquences graves sur la gauche, les fréquences aiguës sur la droite. Donc, on a beaucoup de graves. Et puis on a le signal utile, et puis après ça chute à partir de 10 000 Hz. Puis on a un petit trou, peut-être parce que le micro n'est finalement pas si extraordinaire que ça, ou peut-être qu'à cause de la réverb, il y a une partie qui s'est annulée. Puis on a de nouveau un petit peu de signal au-dessus, dans les aigus, et puis après ça chute, mais c'est au-delà de l'audition, donc on s'en fout. Ce qu'on en constate, et bon, on va vraiment pas avoir le temps de le faire, mais c'est quelque chose à constater, pour ceux qui veulent utiliser une webcam qui se branche en USB, l'avantage du branchement en USB, c'est que le préampli, il est à l'intérieur. Donc, du coup, on n'utilise pas la carte intégrée de l'ordinateur, qui est quand même la daube la plus pourrie qui puisse exister en matière de prise de son. Les ordinateurs modernes personnels ont été conçus pour écouter de la musique, pas pour enregistrer notre voix. Même s'il y a une entrée, ça a été fait, mais juste histoire de remplir le cahier des charges. Là, on a un avantage supplémentaire, c'est qu'on rentre en USB, donc normalement, si la webcam est bien conçue, elle va faire beau. L'inconvénient, c'est que certaines webcams
pour pouvoir faciliter un petit peu le travail, faciliter la bande passante quand on utilise sur Skype ou autre, c'est qu'elle va filtrer et elle va réduire les fréquences à la partie qui est véritablement les fréquences de la voix. Alors les fréquences de la voix, c'est grosso modo entre 300, 400 Hz et 4000 Hz à peu près. C'est la fréquence du téléphone. Il y a un filtre aussi qui supprime toutes les basses, qui supprime tous les aigus et il se contente de passer cette partie-là. Dans certaines webcams, on voit la courbe d'enregistrement qui chute très très vite et puis à partir de, on est à 1000 Hz, 2000, 4000, qui chute vraiment à partir de 5000 Hz et qui n'a du coup aucune harmonie. La voix est enregistrée mais elle manque de vie. Et donc dans ces cas-là, j'ai pas trop de solutions. Si votre webcam elle a ce comportement-là, si c'est pour enregistrer juste une petite voix, la figuration, des réactions, etc., c'est pas très grave. Mais si c'est pour enregistrer le personnage principal de votre saga, on va peut-être trouver une autre solution que ça. Et là, c'est pas magique. Pardon. Intégré, oui. Et le micro se déco, je crois. Oui, tout à fait. C'est... Et là, alors, ça, c'est alors quand je dis de la webcam, évidemment, je ne parle que de la partie enregistrement, donc le micro. L'autre inconvénient, effectivement, de la webcam, c'est que si le micro n'est pas sur le côté, il peut être loin de la bouche, et donc on va aussi choper beaucoup de reverb. Autre inconvénient, et c'est le cas aussi, donc sur cet ordinateur, il y a aussi un petit micro intégré qui est le long de l'écran. Si je suis assis à mon ordinateur, je vais me retrouver de nouveau assez loin de mon micro et donc récupérer beaucoup de reverb. Donc là encore, il va falloir savoir, est-ce que je me rapproche et je mets un antipop parce que ça va être des trucs très très sensibles, ou est-ce que je me rapproche, de nouveau faire des tests, mais... Là-dessus, on rappelle que le jeu d'acteur est le plus important, et jouer quelque chose en étant penché sur son micro, ce ne sera peut-être pas le plus confortable. Jouer assis, ce ne sera peut-être pas le plus confortable. Parce que si vous avez assisté aux ateliers Trouver sa voix ou aux autres ateliers, on se rend compte que parfois on a besoin de mettre le paquet, d'utiliser sa gestuelle pour donner l'intonation. Donc voilà, de nouveau, c'est question de compromis, de trouver ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Certaines personnes sont très très à l'aise à enregistrer assis, d'autres préfèrent vraiment être debout et ont besoin de l'assise du corps pour aider. Donc c'est du cas par cas. Mais il faut effectivement tenir compte que plus on sera loin du micro, plus on aura le bruit de la pièce et plus on aura un signal faible parce que la voix perd de sa puissance avec la distance. À l'inverse, on aura moins de pop. Donc voilà, trouver le bon compromis, pas être trop frais, pas être trop loin. Le juste milieu, exactement. Alors ça, c'est pour les équipements liés à l'informatique. Et alors, ce qu'on va régulièrement trouver à utiliser, c'est ce genre de micro. Il y en a un petit peu partout. Alors, je prends celui-là parce qu'il ressemble à un super beau micro pro. On a l'impression d'avoir Michel Sardou. Mais... en fait, c'est un truc que j'ai acheté sur une brocante à 6 euros avec le câble. 6 euros avec le câble sur une brocante. Super. Donc, c'est pas grand-chose. Mais ça a un inconvénient, c'est que d'une part, même avec le câble, voilà ma sortie. Allez brancher ça dans votre ordinateur, vous rigolez. Et puis, il y a un autre souci, entre guillemets, c'est que ces micros qui sont faits pour être utilisés avec... un câble dont la sortie là, ce qu'on appelle une prise XLR, sont faits pour être utilisés avec un câble qui a une entrée et une sortie XLR, c'est-à-dire utiliser les trois pins qui sont sur le micro. Si on utilise ce genre de choses, on va n'utiliser que deux sur les trois, c'est-à-dire que le micro, la capsule vibre sous le son. À partir du son. Et à l'intérieur du micro, le signal est coupé en deux, il est divisé en deux parties, donc deux fois moins puissantes. L'une est inversée. Je vais vous expliquer comment ça marche. Et c'est transporté sur le câble, celui-là, avec une masse, un signal positif, et le même signal, mais en négatif. Donc chaque fois que j'ai une valeur, sur l'autre câble, j'ai la valeur inverse. Quand ça monte, l'autre descend, etc. Ça se croise de cette manière-là. C'est ce qu'on appelle le chaud et le froid sur une sortie de micro. On a bien dit qu'on avait divisé en deux le signal.
Si je n'utilise que deux, je n'utilise que la moitié de ce signal. Donc j'ai perdu la moitié de ce qu'était capable de me délivrer mon micro. Or, pour des raisons techniques, je vais devoir... Là, ici, j'ai envoyé tout le signal. Là, je n'en ai envoyé que la moitié. Je vais donc, perdant la moitié, je vais avoir un signal moins fort. Je vais donc devoir augmenter mon niveau d'entrée. Donc je vais aussi augmenter mon bruit de fond. Et j'y perds. Et c'est dommage. L'autre chose qui est super dommage, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à faire ce genre de choses? C'est que ça permet, s'il y a des parasites, de capter ces parasites. Alors, je n'ai pas de tableau, ce qui m'aurait permis très facilement de vous montrer comment ça fonctionne. On n'a pas trop le temps. Donc, mais quand même, je vais le dire parce que c'est important. Si vous utilisez ce genre de micro, et que vous utilisez, vous avez une carte son tout à fait standard en stéréo, je vous conseille d'enregistrer en stéréo en utilisant non pas un câble qui a d'un côté de l'XLR et de l'autre côté un gros jack qui ne rentre pas dans votre carte son et qui est mono, donc qui n'utilise que deux des trois pins. Ça a été fait on a dit MacGyver, hein, donc j'ai pris une prise XLR. J'ai pris un écouteur de lecteur MP3 stéréo et je l'ai branché comme ça doit être. Donc la masse sur la masse, le 1 sur le signal gauche et le 2 sur le signal droit. En faisant ça, je vais récupérer un signal. Alors il va falloir de nouveau régler le niveau. Tiens, je te laisse parler dedans. Salut. On m'entend, mais c'est pas très fort, donc il faut que je parle quand même, voilà. Bon. Alors, ce qui se passe, donc, c'est qu'on a la moitié du signal. Alors, tout à l'heure, on avait tout à gauche et rien à droite. Là, on a la moitié du signal à gauche, l'autre moitié du signal à droite. Mais, est-ce qu'on va le voir? On va le voir. Disons l'œil. Vous voyez qu'ici, on a une courbe qui monte, ici, elle est dans l'autre sens. C'est pas très visible, mais c'est pas le plus important. Le truc, c'est que, normalement, ce qui se passe, donc on a dit que le micro faisait la séparation, inversait les signaux, envoie ça sur le câble. Quand ça arrive dans un équipement professionnel, on fait l'inverse. On réinverse les signaux et on les additionne. En inversant les signaux, j'avais un signal positif, un signal négatif qui devient positif, donc tout ce qui était... Tout ce qui a été produit par le micro est récupéré en sortie. Mais si entre-temps j'ai récupéré des parasites, je les ai inversés. Je le montre. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? Qui a compris? Levez-moi. Vous avez compris? Vous avez compris? 3 sur 30, super. On le montre. Ceci, un allume-gaz, on a dit MacGyver. Ça génère une étincelle. Et donc des ondes électromagnétiques pourraves. Enregistrons. Tu parles dans le micro et je te fais des autres choses à un moment donné. Je parle, mais je me demande si je vais pas me prendre un coup de jus avec ton truc là quand même. Hein. C'est bon. Alors. Vous voyez ça comme c'est joli? On va l'écouter. Alors là, on a entendu deux choses importantes. On n'a pas du tout entendu sa voix. Et on a entendu le grésillement. Pourquoi? Parce que j'ai un signal qui est positif, un signal qui est négatif. Moi, je l'ai envoyé vers les enceintes et ça sort en mono. Donc, mes deux signaux se sont annulés. Tout ce qui était positif sur la voix de gauche et négatif sur la voix de droite, l'ordinateur n'envoie rien. Si on n'a que la voix, il n'envoie rien. Mais par contre, le grésillement, lui, est arrivé après qu'on ait fait l'inversion. Donc, les deux sont tous les deux positifs ou négatifs. Et donc, ceux-là, on va les entendre. Vous avez compris? Toujours pas? Je vais faire une petite opération maintenant. Je sépare ma piste. Je prends une des deux, au hasard. Je l'inverse. Vous avez vu l'inversion?
J'ai retourné toutes les valeurs positives deviennent négatives, toutes les valeurs négatives deviennent positives. On voit bien que là, on a ces grésillements qui allaient vers le bas et ceux-là maintenant vont vers le haut, et vice versa. On a bien une image qui est opposée. J'ai fait la même chose sur l'ensemble du signal. Donc, sa voix, sur la voie de droite, a été aussi inversée. Je termine mon bidouillage, je me mets en mono sur les deux, et j'écoute. Je parle, mais je me demande si je vais pas prendre un coup de jus avec le truc là, quand même. Ta-da ! Si je n'avais enregistré qu'une seule des deux voix, donc en utilisant ce genre de câble, j'aurais eu la voix, parce que je n'aurais pas eu l'opposition, donc j'aurais pas eu la suppression de sa voix, mais je n'aurais eu que la moitié de mon signal, et j'aurais eu les parasites, et je ne pouvais pas les supprimer. Donc tout l'intérêt, si on veut utiliser ce genre de micro, l'autre chose qui est intéressante, c'est que si je fais, alors normalement je dois être capable de générer, je ne sais plus comment on fait, édition fusionnée, ça doit être fusionné. Fusionnons. Ouais, c'est peut-être pas ça. C'est pas fusionné. Bon, c'est pas grave. Il y a moyen de le faire. J'ai doublé mon signal puisque j'ai envoyé deux fois le même signal. Donc j'ai gagné 6 décibels. C'est pas rien, hein. 6 décibels, c'est le double du signal. Et j'ai perdu mes parasites. Donc si j'avais enregistré comme ça en utilisant un convertisseur de genre de machin que je branche dedans et que je mets dans ma carte son, j'aurais perdu 6 décibels et j'aurais chopé tous les parasites sur le chemin. Dommage. Donc, dans certains cas, on va dire, n'utilisez pas ce genre de micro dans une carte son, ça ne fonctionne pas. Si. Mais si, on comprend les différentes astuces qui permettent d'aller doubler notre signal et de supprimer les parasites. C'était sans filet, hein ? C'était sans filet. Alors, on va conclure, je pense. On va conclure. Les appareils autonomes... Voilà, on va pas passer 50 ans dessus. Les appareils autonomes, il faut aussi choisir la bonne position, puis après, il faut transférer ça sur son ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, en fonction du micro, le signal ne va toujours pas être suffisant et on aura quand même trop de bruit de fond. Ce qu'on va pouvoir utiliser alors, c'est un certain nombre de vieux machins, genre ceci, qui a une entrée micro et qui a une sortie ligne. Alors, quand on a une entrée micro et une sortie ligne, ça veut dire que dedans, il y a un préampli qui va nous prendre un signal qui est microphonique, qui est très, très faible, qui va nous l'augmenter et nous sortir un niveau ligne. Si je rentre au niveau ligne dans ma carte son, je ne me demande plus à ma carte son de faire le travail du préampli, puisque le niveau est directement bon. Donc, si ça fait bien son boulot, mieux que ma carte son, dans ce cas, ça ne va pas marcher. Mais si ça fait mieux, si ça fait bien son boulot, ce sera mieux que ma carte son, et je peux rentrer un signal qui aura un niveau de bruit inférieur. Alors là, j'utilise une vieille console. Elle a l'inconvénient, c'est que on a de nouveau des prises bizarres. Alors si, ici, ce sont des prises DIN. Alors il va falloir trouver des petits convertisseurs de ce genre-là. Ça se trouve en supermarché. En général, au rayon TV, il y a toujours des espèces de petits différents convertisseurs, etc. En général, quand je vais en supermarché, je sors toujours avec un ou deux. Ça coûte pas très cher. Ouais. Et on finit avec une collection comme ça. Hein. Toujours utile. Donc ce genre de choses permet d'aller récupérer la sortie et puis en faisant des tests, on arrive à trouver le bon signal et l'envoyer dans sa chaîne. Autre solution que l'on préconise aussi, c'est d'utiliser, alors là c'est vraiment le gros magnéto balèze, mais on me l'a donné. Ça on me l'a donné, on me l'a offert en cadeau pour mon anniversaire. C'est celui de Pee-wee, oui. Et celui-là, c'est quelqu'un qui me l'a donné parce que ça n'a aucune valeur. Certaines marques sont extrêmement prisées et valent très très cher. D'autres, font le boulot, mais ils n'ont pas la réputation de Nagra, par exemple. Donc, de nouveau, on va avoir une entrée micro de l'autre côté. Ici, on a une entrée micro. On a une sortie ligne. Donc, on va pouvoir rentrer le micro, sortir en ligne, rentrer dans notre carte son, et on aura préamplifié notre signal, qui va nous permettre d'avoir un meilleur niveau. Et de nouveau, on peut utiliser... Il est bon, cher. Pareil, acheter en brocante. 2 euros, je crois, c'est vraiment rien. Mais, entrée jack, ça rentre dans le machin, je récupère. Autre petite chose avant de répondre à vos questions, quand vous avez besoin de convertir différentes entrées et sorties,
si vous avez des choses de ce genre-là, que vous avez besoin d'en sortir du mini jack, il n'est pas recommandé d'utiliser ce genre de convertisseur. Cela, ou dans l'autre sens, cela. Pourquoi ? Parce que la surface de contact est très faible. On a juste une petite lamelle qui va toucher un truc qui rompt. Surtout si on doit commencer à les cumuler, ça devient une source d'ennui, une source de faux contact et de cochonnerie. Chaque fois qu'on va pouvoir le faire, on va plutôt privilégier l'utilisation de ce genre de câble. Alors, ça c'est pareil, au rayon télévision on en trouve, avec les contacts RCA, parce que les contacts RCA ont une grande surface de contact, et je vais pouvoir les brancher. Là, ici, j'ai quelque chose qui est sérieux, qui est costaud, qui n'a pas de souci. C'est pas aussi bon qu'une soudure, mais on n'est pas loin. Enfin, on va pas se plaindre. On est sans aucune communauté. Et si ça bouge, il n'y a pas de faux contact, il n'y aura pas de problème. Et de nouveau, on va les avoir dans toutes les formes. Ici, c'est un simple jack mono grande taille. On peut avoir des jacks stéréo avec donc du coup deux entrées. Et ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, c'est toujours bien d'en avoir, et vaut mieux avoir ça que les espèces de convertisseurs comme ça. Bon, si on a un ancien casque qui a une grosse prise, bon bah ok, ça fera le boulot, parce que là ici on a une bonne surface de contact, mais dès qu'on va vouloir brancher différents équipements, je vous conseille quand même d'utiliser ce genre de choses chaque fois que vous le pouvez, ce sera plus efficace. De nouveau, en tant que MacGyver, vous allez pouvoir vous bricoler vous-même, parce que je vous ai montré là avec la prise casque que j'ai faite. J'en ai trouvé aussi dans le commerce, hein. Mais c'est un peu compliqué à trouver parce qu'il n'y a personne qui utilise ça. Donc ça peut servir à la... Je crois que je l'ai trouvé en Allemagne via eBay, c'était un peu compliqué. Voilà, ici prise XLR, de l'autre côté sortie RCA. Donc là-dessus, bah, je peux brancher si je veux faire du mono, j'ai pas de souci. Si je veux sortir sur deux prises différentes, j'ai pas de souci. Je fais comme je veux. Simple soudure au milieu. Des questions ? Vous avez droit à une. Une question. Pas de question ? Oui, là. Pour faire tes bidouillages, tu as des notions d'électronique quand même pour la prise XLR que tu as. Non, le câblage est standard. Donc tu trouves ça sur internet très facilement. Tu cherches câblage XLR, tu vas voir toujours comment c'est fait. Et derrière, c'est bêtement une petite soudure. Il faut savoir souder, c'est tout. Il n'y a pas de problème par rapport à la résistance qui est différente. Non, n'utilisez pas de coax. Les câbles pour la télévision, j'ai testé, ça ne marche pas. Les impédances ne sont pas adaptées. Ça pourrit le son. Mais dès que vous allez travailler soit, enfin, de coax pour la télévision, pour des câbles antennes, etc. Et si vous travaillez sur du fil micro, qui est fait pour ça, qui a deux brins et puis un blindage, ou bon là évidemment, si on est en stéréo, enfin si on travaille avec l'astuce, on va perdre les parasites, mais si on se contente de ce genre de choses, évidemment ça chope tous les parasites. On essaye d'éviter de mélanger ça avec les prises électriques, un petit peu de séparer les signaux, mais non, il n'y a rien de particulier. De nouveau, il faut tester. Quelque chose à savoir après la prise de son via Audacity ou autre chose, quelque chose dont vous n'avez pas parlé mais qui est important à connaître. Oui, alors il y a un des éléments qu'on va faire systématiquement, c'est poser un coupe bas. Un coupe bas, mais là j'ai plus d'enregistrement donc je ne vais pas vous le montrer, puis, de toute façon, c'est du temps. Mais un coupe bas, c'est une équalisation, c'est-à-dire qu'on va dire les fréquences, la voix, on a dit qu'elle démarrait à 300 Hz, enfin la partie intéressante de la voix commence à 300 Hz. On va couper déjà tout ce qui est en dessous de 100, on va le supprimer. En fait, on va utiliser un équaliseur qui va dire tout ce qui est en dessous de 100, on le supprime. Pourquoi on fait ça ? Parce que d'une part, il n'y a pas de voix dedans, donc on s'en fout. D'autre part, c'est là où il y a les fréquences les plus importantes, les plus chargées en énergie. Donc en les supprimant, on va réduire aussi la partie inutile de notre signal, donc le bruit. On va réduire notre bruit, pas tout le spectre, mais une partie de notre bruit, et la plus forte. Et en plus, ça va nous rectifier un certain nombre de soucis qu'on rencontre avec des appareils qui circulent de l'électricité. C'est ce qu'on appelle le DC bias, c'est le niveau entre ce qu'attend la carte son et ce qu'envoie le micro, et des niveaux de voltage qui sont parfois un petit peu différents. Et le fait de faire cette opération-là les rétablit. Donc plein d'avantages. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Après, si le signal est bon, on n'a normalement presque rien à faire. Et il y a un equalizer sur la city ou c'est externe ? Alors,
Le logiciel n'entre absolument pas en ligne de compte. Il se contente de prendre ce que les cartes sont. Qui avait-il exactement sur... On en parle après. On va aller. Je vous remercie. Ka meie lähedalt ei näe, mis toimub, sehkendamine käib. MacGyver on püsti, suits on olemas. Ja MacGyver pääseb! Ja teile ka läkski! Kahjuks selle suitsupahvaka seest ei olnud võimalus näha kaugele poisid lendasid. I love it when the plan comes. Day two of playing with my Makey Makey board, and I brought it in this morning to class just to play around with it a little bit more to see how it interacted with the Chromebook. Originally I wanted to pair it up with my Mac, but being that I have so many, well not so many, but I have 6 Chromebooks here in my classroom, I figured why not repurpose these to get a little bit more use out of them. So what I've got right now is the Makey Makey is plugged up. So in the video that I posted earlier this morning when I was working in my classroom, I was just working with smaller pieces of tin foil and smaller pieces of cardboard. So I'm going to check out now. I have a much larger one. I have a shoebox. And I'm going to put my foot in here. And then hopefully it reads. It should go green. Hopefully you can see that green. As I have my 4 directional pads, this one is going left. This one is going up. This one is going down, and then this one's going to the right. And then I have my main box right here, which is my Jumpman or my Jordan shoe box. This is the box that my foot has to be in order to stay grounded for the Makey Makey to work. The object of the game is to use your directional pads in order to move this thing right here to the different platforms. In answering the question. Alright, so this has probably been the most difficult, is figuring out how to configure this and then also plug it this into there in order to use these for a mouse. So I finally have it set up. So if I put my foot here, and again I'm grounded right here with the left foot. So if I put my foot here, the cursor will go to the right, and then when I put it here, it goes to the left. And then I can switch feet, and then this will allow my cursor to go down, and then this will allow my cursor to go up. So I'm going to show you real quick on the screen. When I tap down, so I'm going to go up, and tap down, go up just a little bit, and then I'm going to go over to the left, and then if I tap right here and press click, it'll play. That's about it.